d'avance de cacao. Je n'ai pas eu. Même feuille de cacao séché. Je n'ai pas eu sur mon ventre. Je vais vous prêter. Et vous qui m'avez vendu ça là, je ne vais pas vous laisser. Plus de 200 euros. 200 euros là, je pouvais envoyer à ma maman. Comme on vous a dit que l'argent là, c'est comme crotte de nez. On met les doigts comme ça. Et puis on tourne, tourne et puis l'argent sort. Vous allez m'expliquer. Vous ne me maîtrisez pas encore. Vous ne me maîtrisez pas. Si je vous ai laissé, je ne suis pas la fille. Le fils. Kevin, le fils. Je ne suis pas le fils de ma mère. Générique. Coucou les chouaris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Attachez votre ceinture et puis asseyez-vous bien. Pour ne pas que le décollage vous perturbe. Pour ne pas que vous tombez de votre siège. Je dis là non, bien je dis pas. Si je dis, ça va faire leur promo. J'ai dit ou bien je dis pas. C'est clair, tu, tous ceux même qui vendent leurs produits pour avoir les muscles, pour faire le sport, vous tous, vous êtes des voleurs, des manipulateurs. Vous mentez. Les choses ne peuvent pas payer. Les choses pour faire sport, on dit que faut boire, ça va te donner le tonus. Ne buvez pas haut. Ne buvez pas haut. C'est clair, je n'ai pas dit le nom. Si vous voyez, vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, je m'en fous. Là, tu vois, c'est ça. Ça n'a pas tombé même. Ça n'a pas tombé. Voici ça. Voici ça. Juste comme ça, là, on dit, hey, je vais vous expliquer. C'était pendant le confinement. Franchement, pendant le confinement, mon ventre commençait à sortir. Mon ventre sortait, hein, parce que je mangeais beaucoup. Vous savez, quand tu manges et que tu ne sors pas, tu ne fais aucune activité, tu grossis. Oh. Mon ventre sortait. Avant, ton ventre devient, on dirait, contenait d'acquérir là. Ça ne me plaisait pas. Je ne voulais pas arriver vers là-bas aussi. Donc j'ai un pote là. Pendant le confinement, il faisait sport, il buvait thé, il faisait sport et il montrait ses abdos. J'ai commencé à avoir des abdos quoi. Les tablettes de sa maman. Donc quand j'ai vu, on va l'appeler comment? Hé, hey, Johan, je vais dire son vrai prénom. Je cache quoi? Pourquoi je ne dis pas son nom? Je vais dire ton nom. C'est le nom que tes parents t'ont donné. Johan, hein, il buvait thé. Ouais, t'es la même. Non, ça c'est pas le thé. Ouais, le thé, maman. C'est le thé que j'ai jeté là. Bref, il buvait et ça lui donnait les abdos, les muscles. Moi aussi, je voulais devenir musclé. Je voulais aussi avoir des muscles, les pectoraux. Je voulais aussi marcher comme ça. Je voulais que quand je marche, je sois comme ça. Parce que je me disais que Kevin, si tu deviens musclé, les gens qui te manquent le respect là, ils vont se rallier, ils vont te respecter. Pour avoir un peu de force aussi, non? Je voulais avoir la force. Oh. On a les gens qui allaient me dire, il y a lui là, on dirait elle. Quand ils allaient me voir, que je suis comme ça, John Cena, ils allaient sauf que me respecter. C'est ce que je voulais. J'ai envoyé un message à mon pote. J'ai dit que je veux avoir les abdos, tout ça. Que, ah, moi en tout cas, je suis ambassadeur pour une marque là. Ils vendent des produits de nutrition. Ils m'ont envoyé les différents prix. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, voici les captures. J'ai dit, je vais boire citron. Je vais sauf que moi, boire citron. Parce que c'est cher quand même, hein, 200 euros pour avoir abdos. En ce moment, tablette de chocolat, je vais avoir là. C'est quelle marque? C'est quelle marque de chocolat? Pardon. J'ai dit que moi, je vais sauf que boire mon citron au père. Le père, je vais faire citron avec l'eau. Et puis un peu de gingembre. Il dit non. Citron là, ça va pas te faire perdre du ventre, ça va te faire maigrir. En tant que toi, tu es déjà mince. Si tu maigris encore, tu vas disparaître. Yoann, ça là même, ça m'a pas plu. Je vais disparaître que on m'a dessiné avec crayon. On m'a dessiné avec crayon et puis je vais disparaître. C'est quand tu dessines quelque chose avec crayon, quand tu gommes, ça disparaît. Je disparais quand je suis au crayon. Je suis en crayon sur feuille. Tout ça pour me voler. Non, mais c'est pas lui qui m'a volé. Tu es dedans, il est dedans. Tu m'as volé aussi. Quelqu'un qui te mène vers le voleur. C'est bien voulu. Vous êtes même chose, c'est ta collègue. Elle t'a loupé. Elle t'a envoyé ma boucle, il t'a dit jamais fait. Il me dit, je vais te présenter quelqu'un. J'ai dit, afin d'avoir Abdouda, il a fait de présenter quelqu'un dedans. Il dit oui. J'ai dit, ok, présente-moi alors. C'était pendant le confinement. Donc on a fait un appel Zoom. Le gars, il m'a présenté, on va l'appeler comment? On va l'appeler Thomas. C'est pas son vrai prénom, c'est un blanc. Thomas là, c'est lui qui travaille chez ceux-là. Maintenant, il a recruté Johan. Comme il a vu que Johan est assez sportif, c'est les gens, hein. Il regarde le profil Instagram et puis il cherche les garçons sportifs. Quand il voit que tu es un peu sportif, ils disent qu'il faut devenir ambassadeur de notre marque.
tu deviens ambassadeur et puis tu te vas parler de ça à tes amis et puis tes amis viennent acheter et puis tu as un pourcentage dessus. Yoann a entendu pourcentage, il s'est oublié. Il s'est oublié, il pensait que Marc là, c'était pour son papa. Il pensait que son papa était actionnaire. Lui, Yoann, tu pensais que ton papa était actionnaire. Je te laisse pas. Thomas me dit, explique-moi ce que tu veux, Kevin. Je dis, moi, franchement, je veux les abdos. Je veux les tablettes de chocolat. Je veux que, hein, quand je m'en vais à la plage comme ça, là, ici, il y a des poupées de poupées comme ça. C'est des poupées de poupées comme ça. On dirait entrecôte de bœuf. On dirait entrecôte. Il dit que, ah, d'accord, ok. Bah, écoute, y a pas de souci, hein. Franchement, il y a trois formats. Il y a le format ça, là, le format ça. Et puis, les coachs sportifs, mbrakata. Ils passent vite, vite comme ça. Il y a le format ça, il y a le format ça. Tu veux quel parfum? Parce qu'il y a le parfum vanille qui est hyper bon. Il y a le parfum chocolat qui est succulent. Il y a le parfum fraise qui est délicieux. Jean-Toi est doux. Tout est doux dans le truc là. Attends. J'ai dit je veux vanille. J'ai dit que, mais moi, je veux être un peu musclé. Mais par contre, pour vous deux là, surtout toi, Thomas. Thomas, c'est le blanc qui vend. J'ai dit, toi, Thomas, moi, je veux pas être comme toi. Parce que Thomas, non seulement il est court, un peu les musclés. On dirait steak surgelé. Steak sans surgelé qui a fait deux mots au frigo. Il est comme ça sur lui-même. Donc j'ai dit que moi je veux pas la qualité là. Parce que moi je suis filiforme. Oui, oui, oui. Je suis filiforme, mais j'aime beaucoup. Je passe les tailles hautes. Là, là, j'ai porté caleçon. C'est un boxeur. Mais je fais son taille haute. Maman, voici ça. Vous voyez le vert, non? C'est mon boxeur vert. Taille haute de chat. Et puis ça là, c'est un crop top. Vous voyez, ça fait. J'ai dit Thomas, moi je veux un seul truc pour diminuer mon ventre, c'est à toi hein. Il dit non, t'as vraiment besoin de toute la gamme parce qu'il y a une collation que tu dois prendre le matin, le midi et le soir. En plus, c'est le thé que tu dois boire 4 fois par jour, surtout à 16h. En plus de cela, Kevin, c'est comme ça il parlait, c'est comme ça il faisait. Je sais pas si on lui a dit que, après une vidéo, on était en train de faire là, c'était comédie musicale, quoi. Je sais pas. En plus, Kevin, là, on a un cours sportif avec tous les autres, tous les jours à partir de 20h. Tu peux même inviter tes potes. Enfin, il y a tes enfants qui pleuraient. Il a deux enfants. Ah bébé, tu pleures. Arrête de pleurer, j'arrive à toi tout à l'heure. Oui, Kevin, je te disais, Mamoun, c'est sa femme. Mamoun, viens voir, il y a le petit qui pleure. Et il pleure encore. Va, Kevin. J'ai regardé Yoann comme ça dans la caméra. Parce qu'on était trois sur l'écran. J'ai regardé Yoann comme ça. Genre, tu m'as envoyé un comme ça. Genre, ça là, c'est quoi encore? Petit ventre. Petit ventre. J'ai dit, je veux pour que ça parte. C'est ça, tu m'as envoyé chez quelqu'un comme ça. Un gars qui parle même, tu vas dire qu'il est en train de préparer son album de rap. Tu vas dire qu'il a fait 20 ans de rap. Sa carrière n'a jamais pris. Quand il parle, tu vas dire qu'il a sorti 10 albums de rap. Même un n'a pas marché dedans. C'est comme ça qu'il parle. C'est ici là que tu m'as envoyé, Yoann. Petit Poderie en faisait sur Instagram là. C'est arrivé ici comme ça. Que pourquoi maintenant, le père? Mais je ne sais pas, c'était pendant le confinement. J'ai dit que bon, j'accepte. Je vais essayer. J'ai payé. Voici la capture. J'ai payé même chez Yoann. En plus, ce jour là, quand j'ai dit que ok, j'accepte de payer, il a fait signe à Yoann comme ça. Genre, voilà, prends le dessus, commence à lui parler. Donc, Yoann maintenant qui me dit, bah Kevin, donc c'est à moi que tu enverras les 200 euros, nanana. Les 200 euros, comment dire, plus de 270 euros, un truc comme ça. Ça là, regardez ça là. 270 euros. En plus, c'était au solde. Il n'y avait pas de solde, mais comme c'était le confinement, ils ont fait en solde. Si ce n'était pas des soldes, peut-être j'allais payer au moins 5 euros de plus. J'en prends de 4 euros. Et 3 jours après, j'ai reçu les produits à mon adresse. On m'a dit que ça là, je bois ça chaque matin. Je mélange avec de l'eau. Ça là, c'est le thé. Je bois ça chaque 16 heures. Non, ça là, oui, je bois ça chaque 16 heures et puis le soir. Ça là, un comprimé par jour. Parce que ça, c'est le comprimé. Ils ont dit qu'un comprimé par jour. Comme si c'était la pilule du lendemain. Maintenant, ça là, je prends pour faire la nourriture, les milkshakes, les gâteaux, des choses comme ça. Premier jour, je me suis levé, j'ai vu ça là. Ah, j'ai chié. Ah, j'ai chié. Ah, je n'avais jamais chié comme ça dans ma vie. J'ai chié. Jusqu'à je pensais que mon cul allait tomber. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. J'ai chié. La vie de ma mère, j'ai chié de ouf. Et j'ai chié un point.
laisse tomber. Mais même moi aussi, hein, je voyais que je chiais beaucoup. Mais je me disais que peut-être que c'est ce qu'il y a dans mon ventre là qui est en train de quitter pour que mon ventre devienne plat. J'imaginais déjà mes abdos. À 16h, j'ai bu le thé mélangé de l'eau. J'ai pris le comprimé. Le lendemain, même chose. Le lendemain, quoi, j'ai chié, maman. Et je me sentais, on dirait. Je me sentais bizarre, ma tête tournait comme sinon. Je me sentais, on dirait que mon âme avait pris crédit chez mon corps. Et puis mon âme n'avait pas encore remboursé. Donc mon corps était fâché, quoi. Et puis mon corps voulait partir pour laisser mon âme. C'est pas mon âme qui voulait partir pour laisser mon corps. C'est mon corps qui voulait partir. Et puis c'est mon âme seulement on avait trouvé. Je me sentais. J'ai dit. Je sais plus comment je me sentais. J'étais comme ça. J'étais là, mais j'étais pas là. Le trauma là, il m'envoie un message. Oui, Kevin, c'est le deuxième jour. Comment tu te sens? Je dis, ah, je chie, hein. Ah, je chie beaucoup, hein. Il dit, ah, tu chies beaucoup, hein. J'ai dit, ah, si c'est chier, je chie. Je sais pas, mais en tout cas. Ça sort seulement. Souvent même, je mange rien, mais ça sort. C'est-à-dire, souvent même, moi-même, je me dis, eh, mais c'est quoi même qui sort même? C'est quoi, je chie? Est-ce que c'est pas mes intestins, mais je suis en train de chier, maman? Est-ce que ça là, c'est quoi encore qui sort? J'ai fait ça sur 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça n'allait toujours pas. Je partais courir, je faisais le sport. Les abdos ne sortaient pas. Pourtant, il m'a dit en 2-3 jours, je vais voir le résultat. Il m'a dit ça. Maintenant, comme il a vu que j'étais influenceur, j'étais youtubeur, il dit que de faire un direct avec lui, l'automal, il dit de faire un direct avec lui. Oui, Kevin, ce serait bien qu'on fasse un direct comme ça. Tu dis à tes abonnés de s'inscrire sur notre site et de commander leurs produits. Dans mon cœur, j'ai dit en fait, Thomas, j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit peut-être que je t'ai envoyé un courrier. Peut-être que je t'ai envoyé un courrier à ton adresse pour dire bonjour Thomas. Moi, Kevin, je suis très bête. C'est mes cheveux en prend pour faire peau de mouton. Tellement je suis bête, c'est mes cheveux en enlève pour faire peau de mouton. Merci Thomas, je suis signé Kevin. Peut-être que je t'ai envoyé ce courrier-là. Mais c'est que j'étais drogué. C'est que j'étais pas moi-même. Toi, tu es malade. Si tu me regardes, Thomas, tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Hein? T'as vu tout ce que j'ai chié là? Le caca, j'ai versé dans mes toilettes. J'ai l'impression que ce caca, ils ont pris et ils ont mis dans ta tête. Tu es malade en fait. Ça va pas. Quelque chose, j'ai payé plus de 200 euros. Ça m'a rien fait. Ça me fait, on dirait, je suis là, mais je suis pas là. Et plus encore, je vais faire direct avec toi pour te donner la visibilité, pour te donner les abonnés qui vont payer. Je n'ai pas fait le direct. Je n'ai pas fait. La chose, c'est pour vous dire que ne payez pas les choses comme ça. Voici ça. C'est devenu décoration, bouquet de fleurs dans ma maison. C'est devenu bouquet de fleurs. Ça, là, j'ai pris un comprimé tout à l'heure. Voici ça. Si j'ai pris un comprimé tout à l'heure, c'est pour aller chier encore. Pour aller chier. C'était la story time du jour. Ne payez pas les choses comme ça. Si vous voulez avoir petit ventre, ventre là, allez-y, faire sport. C'est ce qui va vous arranger. Voilà, je vous remercie d'avoir fait la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Au dernier, nouvelle, Yoann ne travaille plus avec eux. Ça t'a loupé, toi, Yoann. Ça t'a encore. En tout cas, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.